merde, c'est moche. Voilà, comme ça. Si t'as plus l'habitude de transpirer et d'évacuer pas, tu vas plus te mettre. Un peu de métabolisme, sinon, les... ouais. Vous allez travailler comme ça, on peut continuer encore un peu ou comme tu veux. On a vu qu'on va déjà bien, c'est pour ça qu'il va faire plus, on va faire un peu de métabolisme. On va faire des fentes en métabolisme. Je déteste cet exercice. Ah, ça me fait péter les cuisses. Ouais. Non, viens, c'est bien, je suis pas bien en vidéo. C'est mieux avec lui. On vient de contacter mon fils. Vas-y, continue. Oh, tu peux recouvrir un peu. On va faire un petit parcours, on va faire ça. Les fesses, tu vois. Les abdos, je me sens pas. Un rendez-vous après, moi, je sais pas. Non, tu t'attends plus, toi. Franchement, j'ai vraiment hâte d'avoir les effets, hein. Bon bah on se retrouve après la séance. Vous le verrez dans la vidéo, je le dis à un moment, genre j'ai hâte de voir les effets. Parce que moi qui, vous le savez, j'ai l'habitude de faire que du cardio, parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me sentir épuisée, parce que bah voilà, vous le savez, je suis un peu hyperactive sur les bords et j'ai besoin de quelque chose qui me fatigue en fait, et je m'ennuie en plus avec le renforcement musculaire, vous le savez. Ceux qui ne le savent pas, bah maintenant vous le savez. Et donc en fait, bah ça me fait trop bizarre de me dire que j'ai fait du sport pour 4 heures en 20 minutes. Ok, donc en fait le principe, donc pourquoi 4 heures, ça fait 4 heures de sport? Parce qu'en fait on considère qu'on fait une demi-heure pour faire une zone. Donc on va faire une demi-heure d'abdos, une demi-heure de fessiers, une demi-heure de hanches. Enfin voilà, vous y connaissez mieux que moi certainement, puisque je ne fais pas donc de renforcement musculaire et encore moins de muscu. Et donc du coup, bah là en fait en 20 minutes ça travaille directement les 8 zones et ben, économise bah du coup 4 heures de travail. Donc c'est un peu ouf, j'ai hâte de voir les résultats par rapport aux courbatures, pas les résultats sur mon corps parce que je les verrai pas demain, mais déjà les courbatures, ce que je vais avoir en fait, comment je vais ressentir les choses. En tout cas c'était trop drôle parce que le coach m'était à fond, il me disait tu sens? Non. Tu sens? Non. Tu sens? Non. Bref, je vais pas vous le faire sans 7 ans, mais c'était assez drôle parce qu'en fait du coup il a dû augmenter à fond et il me disait mais il y en a, mais elles sautent au plafond si je leur fais ça, et je sais pas. Donc c'était trop drôle pour ça, mais bon je pense que je vais douiller parce que je suis déjà en train de sentir que mes fessiers chauffent, donc on verra. Je vous dirai ça, et puis de toute façon on a mis en place donc un partenariat sur le long terme, donc je vais revenir régulièrement pour vous en parler. Donc là bah déjà je vais vous publier cette vidéo de la première fois. Je vous ferai pas des vidéos à chaque fois puisque je pense que bah du coup vous allez voir toujours la même chose, je suis pas sûre que ça vous intéresse, mais au moins déjà avec cette vidéo vous voyez comment se passe un cours et je vous donnerai mes ressentis sur le blog. Voilà, je pense que c'est un bon compromis et un bon partage d'expérience pour pas que ce soit ni redondant ni toujours la même chose. Donc voilà, un petit peu de vidéo et un petit peu d'écrit. Je vous dirai donc les courbatures comment ça a été. Et puis bah du coup je vous fais un bisou et j'espère que ce petit mini vlog avec moi vous aura plu. Bisous !